بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا أرحم الراحمين شيخ خير شيخ سير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى كما d'habitude nous allons nous entretenir quelques minutes, inshallah, via ce live pour faire passer le message du vendredi, inshallah ta'ala, tout en demandant à Allah de nous permettre de retrouver nos lieux de culte de manière pleine et de pouvoir profiter pleinement de nos adorations dans ces lieux de culte, inshallah. Mes frères et sœurs en islam, nous allons parler du sujet, d'un sujet très important aujourd'hui. Il s'agit de cet organe, il s'agit de ce bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a octroyé. Un des plus grands bienfaits que Dieu subhanahu wa ta'ala a accordé à l'humain. Il s'agit de la langue. La langue, les bienfaits de la langue et surtout les méfaits de la langue. Alors on ne va pas s'attarder sur les bienfaits puisque voilà, je pense que chacun de nous a une idée de ce que représente la langue pour nous. Il en est de même pour les méfaits, parce qu'on en a tellement parlé, les imams en ont tellement parlé, il y a tellement de textes, de versets, de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des paroles, des savants, des compagnons qui nous ont éclairés surtout par rapport aux méfaits de la langue. Si la langue est un énorme bienfait, il peut être aussi un problème pour l'individu, pour la personne. Combien de couples ont été brisés à cause d'une parole? Combien de personnes ont perdu la vie à cause d'une parole? Combien de pays ont été détruits, déstabilisés à cause d'une parole? Et combien de croyants, de serviteurs, d'adorateurs ont perdu la récompense, la rétribution de leurs adorations à cause d'une parole, ou à cause de paroles, à cause de la langue. Et oui, il en est de même. C'est bien ça, mes frères et sœurs, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné dans plusieurs textes, dans plusieurs hadiths que parmi les choses qui consument, parmi les choses qui font annuler ou qui font invalider les actes d'adoration que nous faisons, eh bien, c'est cette langue, cet organe. Allah subhanahu wa ta'ala nous met en garde dans le Coran. « وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ » Ne te lance pas à parler de choses dont tu n'en as pas connaissance, des sujets que tu ne maîtrises pas, hein, dans un sens. Et puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne quoi ? « Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri falyakul khayran aw liyasmut » Celui parmi vous qui croit en Dieu subhanahu wa ta'ala et au jour du jugement dernier, eh bien, qu'ils disent de bien ou qu'ils se taisent. فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ
qu'ils disent du bien ou qu'ils se taisent. Et quand on regarde, quand on cherche à énumérer les problèmes, les défauts, les maladies, les problèmes qui peuvent être causés par cette langue, ou du moins si nous essayons de dénombrer les maladies qui sont liées à cette langue, eh bien, on se rendra compte que l'essentiel de nos péchés, l'essentiel de nos problèmes, de nos défauts, viennent de cet organe. Il y a un savant dans son livre, il a essayé d'énumérer, si vous voulez, les défauts qui sont liés à la langue. Il disait qu'il en a énuméré 102 défauts, 102 problèmes liés à la langue. La médisance, la calomnie, le fait de divulguer les secrets, le fait d'insulter, le fait de rabaisser les gens, le fait de passer tout son temps à parler, à piétiner les honneurs des gens. Tout ça se passe par la langue. Tout cela passe par la langue. Et combien de fois Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de toutes ces maladies, de tous ces défauts? Tout à l'heure, je me suis plongé un petit peu dans Sourate Al-Hujurat, dont on a parlé la semaine dernière. Cette sourate, on l'appelle Islah Al-Mujtama. La sourate qui régit, si vous voulez, la société, les relations, les rapports, les relations sociales. Et je me suis aperçu, tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de ne pas faire, l'essentiel des interdits qui sont dans ce verset, dans cette sourate plutôt, sont liés à la langue. Subhanallah. L'essentiel de ces défauts, l'essentiel de ces mauvaises attitudes, de ces mauvais comportements sont liés et liés plutôt à la langue. Ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi. Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل يمنون عليك أن أسلموا. Tout ce que nous venons de tous ces versets sont directement ou indirectement liés à la langue. Oui. Et comme je le disais au début, et en se référant au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il s'adresse à Mu'az ibn Jabal, ce grand compagnon qui a eu l'honneur d'avoir l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète a déclaré publiquement qu'il aimait Mu'az ibn Jabal. Et il a été dit, il a été rapporté que il sera le... si vous voulez, la tête des savants le jour du jugement dernier, Yawm al-Qiyam, Mu'az, pour ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il a accompli pour cette religion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adresse à lui lorsqu'il demande au prophète en disant « Serons-nous ou serions-nous jugés en fonction de ce que nous disons ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit quoi ? Thakilatka ummuk, c'est une expression qui est utilisée chez les Arabes pour dire que, pour annoncer à la personne à laquelle on s'adresse qu'elle est en danger. Thakilatka ummuk, la traduction littérale de cette expression, ça veut dire que ta mère te perde ou ta mère t'a perdu. Une manière de dire que tu es en danger. Tu es vraiment en danger. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adresse à Mu'az lorsque Mu'az lui dit « Serions-nous jugés? Serions-nous tenus responsables pour ce qu'on a dit? Pour nos paroles? » Tu es en danger, Mu'az, en quelque sorte. « Thakilatka ummuk. »
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam poursuit en disant, les gens ne seront traînés dans l'enfer que à cause de ce qu'ils ont dit, à cause des méfaits de leur langue. Eh oui. Un autre hadith qui fait très très peur, mes chers frères et sœurs. Parce que je pense que beaucoup d'entre nous se retrouveront dans ce hadith. On a évoqué une femme au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui adorait beaucoup Allah, qui priait beaucoup, qui jeûnait beaucoup, qui donnait la zakat, qui faisait de la sadaqa. Il faisait beaucoup d'actes de culte, beaucoup d'adoration. Beaucoup, énormément. Mais qu'à côté, par contre, elle a un problème, cette dame. ولكن تؤذي جيرانها بلسانها. Par contre, cette dame, elle nuit à son voisinage, à ses voisins, de par sa langue. Et subhanallah, regardez la suite du hadith. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit? Le prophète, il aurait pu dire, eh bien, elle sera pardonnée parce qu'elle adore Allah. Ses fautes qui sont liées à tout ça seront pardonnées le jour du jugement dernier parce que non seulement elle prie beaucoup, elle jeûne beaucoup, elle donne la zakat, elle donne sadaqa, et ainsi de suite. Le prophète n'a pas dit cela. Le prophète dit, « Hiya finnar, subhanallah, elle est dans le feu, elle sera châtiée, elle ira en enfer, cette dame. » On ne parle pas de n'importe quelle dame. Hein. On ne parle pas d'une dame qui n'a rien à voir avec la foi, qui n'a pas de proximité avec Allah. On parle de quelqu'un qui est un, on peut le dire comme ça, une parfaite adoratrice d'Allah. Lakin hiya finnar, elle est dans le feu. Billahi alaykum, mes frères et sœurs, combien de personnes sont dans ce cas de figure parmi nous? C'est-à-dire que la prière, il n'est pas question qu'on la rate. La zakat, il n'y a pas de problème, on la donne. Sadaqa, il n'y a pas de problème. On a une très grande facilité à faire du bien. Tout ce qu'on peut faire, on jeûne, on fait beaucoup de khair, beaucoup de khair. Mais combien de fois, quand on se retrouve à deux, on parle des autres? Combien de fois on tombe dans la diffamation? Combien de fois on tombe dans la transgression par la langue? Combien de fois on se livre à dénombrer les défauts des gens? Les défauts des gens. Combien de fois on tombe dans la riba? Combien de fois? Combien de fois? Je pense que vous et moi, vous qui me regardez maintenant là, vous et moi, on est dans ce cas de figure. Si Allah subhanahu wa ta'ala ne nous pardonne pas, la situation risque de se révéler grave, très dangereuse. C'est simple, que chacun de nous fasse un examen de conscience, que chacun de nous fasse l'expérience, le test, du matin au soir, du matin au soir. Refais ta journée. Combien de fois tu as parlé des gens? Combien de fois? Et pourtant, ça pourrait passer inaperçu. On pourrait vraiment ne pas considérer cela comme étant un problème. Ce qui risque de se passer, c'est que toute notre adoration, tous les efforts que nous faisons dans l'adoration, eh bien, risquent de partir comme ça. Eh oui. On a dit à Hassan al-Basri, quelqu'un est venu lui rapporter qu'un tel le dénigrait, parlait de ses défauts, le rabaissait et ainsi de suite. Hassan al-Basri a dit quoi? Je le remercie parce qu'il est en train de m'accorder ses hasanats à lui. En quelque sorte, les hasanats de sa prière, de sa zakat, de sa sadaqa, de toutes les bonnes actions qu'il fait vont me revenir. Et oui, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous le dit. C'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui nous l'enseigne.
Combien de fois on ne fait pas attention à ce que nous disons? Combien de fois? Combien de fois et combien de fois? Combien de fois une parole qu'on prononce nous plonge dans une galère incroyable? Combien de fois des gens viennent nous voir à la mosquée pour nous dire que voilà, qu'est-ce qu'il faut faire parce qu'il s'est embrouillé avec sa femme et sur le coup de la colère, il a divorcé sa femme 3 fois. Quelques minutes après, il regrette et il vient à la mosquée pour demander, pour chercher une solution. Mais qui t'a mis dans cette situation de difficulté? C'est toi-même. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « La tardab, la tardab, la tardab » lorsque le compagnon est venu lui demander conseil. En fait, comment faut-il comprendre la tardab? Parce que le fait de se mettre en colère, le fait d'être énervé, c'est humain, c'est un sentiment humain. C'est un sentiment humain. Mais en fait, qu'est-ce qu'il veut nous dire? En fait, quand tu es dans ce sentiment, quand tu as ce sentiment, quand tu es dans cette situation, quand tu es en colère, quand tu es énervé, ne parle pas, n'agis pas, ne prends pas de décision dans cette situation. C'est ça. On ne peut pas ne pas être en colère, on ne peut pas ne pas être sur nos nerfs. On est des humains, c'est un sentiment qui est inné à l'homme. Mais il veut nous dire par là que quand on est en colère, quand on est dans cette situation, attention, ne parle pas, ne parle pas. Et ces gens qui nous disent « Non, j'ai divorcé ma femme, j'ai prononcé le divorce, mais je ne le pensais pas vraiment. » Justement, la règle, elle est mise, elle est établie pour des situations comme ça. Parce qu'on n'a jamais vu quelqu'un qui, en s'amusant, tout va bien avec son épouse, il s'amuse en disant qu'il divorce. Ça n'existe pas. Justement, la règle, elle est établie pour ces cas de figure. Et parfois, la situation, elle est irréversible. Tu t'es mis dans une situation difficile, on ne peut rien faire. Le regret arrive et le mal, il est fait. Combien de personnes se sont embrouillées en couple, l'un ou l'autre, sur le coup de la colère, sort des mots, des insultes, rabaisse la personne. Quand les esprits se calment, la tension, elle baisse, tout le monde regrette. Tu regrettes de ce que tu as dit, le mal est fait. Même si la personne en face de toi te dit qu'elle t'a pardonné, ça restera toujours une tache noire dans son cœur. Il ne va jamais oublier cela. Oui, on est des humains, il faut se dire la vérité. On peut pardonner, mais oublier, c'est très difficile. On n'est que des humains. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a ce caractéristique par excellence. Tu commets un péché, tu reviens vers lui, il te pardonne et c'est effacé, c'est complètement fini. Moi, quand tu me fais du mal, je peux te pardonner, mais dire de complètement oublier, on ne peut pas. On ne peut pas. Et souvent, on pardonne. On peut arriver à pardonner. Mais oublier, non. Oublier, non. Tout cela à cause de la langue. Et pour contextualiser un petit peu ce sujet, aujourd'hui, les lieux de communication, les lieux d'expression, c'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, les publications que nous faisons. Ça relève de notre responsabilité. Combien sont ceux qui sont éprouvés par le fait d'être des polémistes, si je peux me permettre d'utiliser ce mot, polémique? Ils lancent une publication, derrière ils te disent « Mon objectif, ce n'est pas de polémiquer, c'est juste mon avis que je donne. » Mais ton avis, est-ce que tu as conscience des conséquences de l'avis que tu viens de poster? Alors, c'est facile de dire « Je suis responsable de ce que j'ai dit, mais pas de ce que les autres ont compris. » Mais en fait, ça ne tient pas cet argument. Ça ne tient pas.
C'est pourquoi on nous dit qu'il faut réfléchir 1000 fois avant de parler. Il faut réfléchir 1000 fois avant de parler. Et oui, même si toi, ton intention n'est pas de nuire, mais l'interprétation qui sera faite de tes propos peuvent aller très loin. Combien de fois sur les réseaux sociaux on piétine les honneurs des gens? La diffamation sur les réseaux sociaux, des mises en garde, on n'en parle même pas. On n'en parle pas. Wallah al-Azim, si vous saviez le danger de ces publications qui vont dans ce sens, la diffamation, de piétiner les honneurs des gens, on serait complètement, on lèverait le pied, on serait sorti de ces réseaux sociaux. Et oui. Mais malheureusement, j'ai envie de dire qu'on n'a pas assez, ou en tout cas suffisamment pris conscience de ce problème. Oui, parfois, cette langue, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, elle nous permet d'accéder aux plus hauts degrés du paradis. Et il en est de même, elle peut nous jeter au plus bas niveau de l'enfer. L'un d'entre vous va prononcer une parole dont il ne fait même pas attention, dont il ne considère même pas, et que cette parole soit l'élément qui va le faire gravir des échelons ou dans les différents niveaux et degrés du paradis. L'inverse aussi est vrai. L'un de vous va prononcer une parole dont il ne fait même pas attention, dont il ne considère même pas, et que cette parole, à cause de cette parole, eh bien, il perd tout et il se retrouve dans le châtiment. J'ai envie de dire, pour terminer, les péchés de la langue, souvent sont très, très difficiles à effacer. Parce que généralement, les péchés qu'on commet par la langue sont destinés aux autres, aux humains, pas à Dieu, subhanahu wa ta'ala. On diffame quelqu'un, on rabaisse quelqu'un, on crache sur l'honneur, la dignité de quelqu'un. Et généralement, même si au bout d'un certain temps, tu prends conscience avoir été dans l'erreur, tu reconnais que tu étais dans l'erreur d'avoir dit ceci ou diffamé tel ou eu de tels propos à l'encontre ou à l'égard de quelqu'un, mais pour se faire pardonner, normalement, il faut aller voir la personne, dire « Écoute, excuse-moi, j'ai parlé de toi, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai dit ceci, j'ai dit cela sur toi, je te demande pardon. » Et oui, pour se faire pardonner, c'est comme ça. Et si tu ne fais pas ça, Allah ne te pardonnera pas ce péché. Combien sont ceux qui font ça? Qui disent des choses, qui diffament des gens, qui calomnient des gens, qui disent du mal des gens, et après, ils vont chercher ces personnes et leur demander pardon en disant que j'ai dit ceci, j'ai dit cela sur toi. Qui fait ça? Qui? Combien sont ceux qui ont l'audace et l'humilité de faire ça? J'ai envie de dire quasiment personne. Quasiment personne. Et il arrive donc des fois qu'on reconnaisse qu'on est dans l'erreur. On a fait ce péché, on a commis ce péché, on a rabaissé tel, on a dit de mauvaises choses sur tel, on a parlé des défauts de tel. Mais comment se repentir? Comment demander pardon? Parce qu'Allah, encore une fois, il ne nous pardonnera pas. Il ne te pardonnera pas ce que tu as fait à quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre doit te pardonner. Et pour qu'il te pardonne, il faut que tu t'adresses à lui. Et qu'est-ce qui va se passer? Ah ben, le jour du jugement dernier, puisque justice sera rendue, eh bien, la récompense de ta prière, de ta zakat, de ton hajj, de ainsi de suite, iront à l'actif de la personne qui a subi cette injustice de ta part.
Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, rappelez-vous, atadruna manil muflis, vous connaissez ce hadith. Savez-vous, c'est qui est ruiné? Celui qui est perdant, celui qui est vraiment ruiné? Le perdant, le ruiné, c'est celui qui viendra le jour du jugement dernier avec beaucoup de bonnes actions, beaucoup de hasanat. Il a prié beaucoup, il a jeûné, sadaqa, zakat, hajj, umrah, tout ce qu'il veut, tout ce que vous voulez comme hasanat, qui normalement le destine au paradis, mais qu'il avait été injuste vis-à-vis d'un tel, il avait diffamé un tel, il avait calomnié un tel, il avait rabaissé un autre, il avait parlé sur le dos d'un autre, et ainsi de suite. Et à chaque fois, on prendra ses hasanat et donner à la personne qui a subi quelque chose de sa part, de lui. Et ainsi de suite, ainsi de suite. À un moment donné, il n'aura plus d'actifs, il n'aura plus de hasanat à donner, les gens vont continuer à se plaindre. Qu'est-ce qui va se passer? Il va prendre la charge des gens, les péchés des gens lui seront donnés, lui seront chargés. Au final, il se retrouve avec des montagnes de péchés qui vont le mener au châtiment. C'est celui-là qui est ruiné. Souvent, on pense qu'on est à l'abri. Souvent, on pense qu'on est à l'abri. Mais faisons un examen de conscience, faisons le test. Essayons de passer une journée ou deux sans parler de quelqu'un. On se rendra compte, en fait, finalement, on passe l'essentiel du temps à parler sur les autres. Et si on utilisait cette langue dans l'obéissance? Tu as envie de parler? Récite le Coran. Tu as envie de parler? Fais du zikr. C'est pas ce qui manque. Tu as envie de parler? Dis du bien. Maîtrise-toi. Maîtrise-toi. Ne parle pas du mal des gens. Parce que tu te fais du mal à toi-même. Tu te fais du mal à toi-même. Tu penses, en faisant un namima, en diffamant quelqu'un, en rabaissant quelqu'un, tu penses lui faire du mal. Mais en réalité, tu te fais du mal à toi-même. Et si on a conscience de cet élément, de ce concept, on est dans cet état d'esprit, le peu d'adoration qu'on aura pu faire durant notre vie suffira pour avoir la miséricorde et la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous permette d'utiliser ses bienfaits, les bienfaits dont il nous a accordés, pour le rendre grâce, pour le louer et pour faire ce qu'il aime et agrée, et non pas utiliser ses bienfaits pour perdre sa miséricorde en se livrant au fait de nuire aux autres et finalement à se nuire soi-même. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Allahumma ja'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa salli Allahumma wa sallim wa barika ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.